Donc, mes chères femmes qui écoutent, qui regardent ce vlog, si homme ne parle pas clairement, fuyez. Si homme pas d'ambition, fuyez. Si homme pas d'argent, fuyez. Si homme ne sait pas ce qu'il veut, fuyez. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de moi. Il pleut. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Et tout à l'heure je vais en cours. Là j'ai cours d'anglais. Donc je vais pas tarder à appeler mon prof sur FaceTime, Fasting, bref. Je suis dépassée, je suis juste saoulée. Vraiment. Mais bon, on fait avec caméra et pas molly. Faut pas oublier. Ça c'est la phrase du semestre 2. Mais voilà. Et on va essayer de ne pas faire d'AVC pour personne. Ça se dit pas en français, je pense, mais on va essayer de ne pas faire d'AVC pour personne. Ça ne se dit pas. Mais voilà, là je vais aller à mon cours d'anglais. Là, je suis en train de manger mon repas. J'ai pas envie de faire à manger. Je dois faire avec cette à l'heure. Je n'ai pas envie de la faire, mais je vais la faire quand même. Et je vais aller prendre le bus tout à l'heure pour aller en cours. Et voilà. J'ai fini mon cours d'Angleterre. Là, je vous dis, je suis blasée de la vie. J'en ai marre. Genre, j'ai vraiment besoin de vacances. En fait, clairement, pour être honnête, c'est juste que les choses vont pas en mon sens. Du coup, ça m'énerve. Du coup, je suis comme ça. Il faut que j'apprenne à respirer, il faut vraiment que j'apprenne à respirer. Je ne sais même pas tenir un téléphone, vous vous rendez compte? Enfin bref, j'essaie de me calmer, il faut que je respire. Il faut que j'arrête de m'énerver comme ça. Il faut que je respire, que je sois plus agréable avec les gens autour de moi. Il faut que j'y pense. Ouais. Bon, mais là du coup, il faut que je travaille sur mon flyer pour ma mère et tout. Du coup, je vais faire ça. Et je travaille sur ça sur Canva. Et voilà, c'est parti. Je me suis préparée pour aller en cours tout à l'heure. Je vais faire la vaisselle vite fait et après je vais y aller. Et voilà mon outfit. Voilà, juste pour 2 heures. Bon, bref, je vais aller faire la vaisselle et puis après je vais y aller. Je suis pas sûre le temps de faire toute la vaisselle en vrai parce qu'il est déjà 12 là. Donc, bon, je verrai tout à l'heure. Oui, je me drague. Bref. Mais je vais y aller. J'attends. Il est 14h47. Il va être 15h tout à l'heure et après j'irai.
wearing Amazon dupes today, believe it or not. Amazon sunglasses. Qui écoutent, qui regardent ce vlog, les hommes passés. Voilà. Si homme ne parle pas clairement, fuyez. Si homme pas d'ambition, fuyez. Si homme pas d'argent, fuyez. Si homme ne sait pas ce qu'il veut, fuyez. Voilà, c'était juste un petit message comme ça, vous savez. Ne tombez pas dans le piège. Fuyez. Nous voulons homme capable. Nous voulons homme avec ambition, nous voulons homme qui parle français et qui savent ce qu'ils veulent. Donc mesdames, faisons un choix de notre vie. Je suis là, il y en a qui me regardent, ils sont dans des trucs toxiques bien bizarres. Je ne vous juge pas les sœurs, ça va aller, Dieu est grand. Mais bref, fuyez, c'est tout ce qu'il faut retenir là. Je vais le remettre à la fin, comme ça va bien rester dans votre tête. Ne restez pas dans des trucs toxiques, des trucs confus et des trucs où des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Je ne vous ai pas montré mon outfit, donc je vous montre. Voilà, j'ai acheté Jennifer. C'est long comme ça. Voilà. Bon, j'arrête. Mais bon, je vais en cours, je vais aller avec ma voisine. Normalement, je l'entends se préparer. Je ne sais pas si elle va en cours maintenant, mais bon, je vais lui demander tout à l'heure. Donc, on va prendre le bus. Mais on va se scolariser, tout simplement. C'est le dernier jour de la semaine pour moi. On est jeudi, mais c'est le dernier jour de la semaine pour moi. Donc, je vais rentrer chez mes parents. Mon père viendra me chercher tout à l'heure, enfin, à l'université. Et voilà. Après, je rentre à la casa. Peut-être vous verrez ma mère, si elle est là. Voilà. Retenez ça bien, je rigole pas, vraiment. Fuyez ce genre d'homme, s'il vous plaît. Encore pire, les hommes, là. Les hommes, hein, qui essaient de porter atteinte à votre sensibilité, là. Qui essaient de vous dire des petites trucs pour que vous puissiez vous sentir mal, on arrête ça. On rentre pas dans ce genre de jeu, les filles. Ressaisissez-vous, les copines. Ressaisissez-vous. Bon, c'est votre signe, là. Ressaisissez-vous. Période. Bye. Et s'il y a des hommes aussi dans ça, fuyez. Parce que les femmes aussi sont bien vicieuses. Faut être honnête, je suis une femme, mais les femmes sont vicieuses, donc fuyez aussi. Voilà.
Honnêtement, ma chambre chez mes parents ressemble vraiment à un endroit de déménagement. J'ai vraiment des boîtes partout. J'ai des vêtements qui sont à donner, à vendre, des livres aussi. Et voilà, comme c'est pas ma pièce principale, donc je m'en occupe pas vraiment. Mais je pense que ça pourrait être sympa quand même de la nettoyer et tout. Mais après, je peux rien y faire parce qu'il y a des boîtes, parce que mes affaires sont chez moi là-bas. Et voilà quoi. Je vais remettre vraiment de l'ordre quand je vais rentrer chez mes parents à la fin de l'année scolaire. Puis après, ce sera rebelote. Et après, ben, j'espère que je vais trouver de la stabilité à ce niveau-là. Parce que c'est un petit peu embêtant, je vous avoue, de faire parents, maison à chaque fois. Vous me direz, mais si elle arrête chez toi. Sauf que moi, je travaille le samedi. Comme j'ai dit au Rézé, donc dites-vous bien que je vais pas faire 1 heure de route tous les samedis. D'accord? Je vais préférer rester dormir chez mes parents et après ça remonter le dimanche. Voilà. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Ça me fait du mal hein, de vous montrer ça. Hein. Mais voilà, je vais vous montrer quand même. Ce sont des choses qui arrivent. Et voilà. Voilà, j'ai honte. Je vous ai montré ma vraie personne. Je suis une crado en vrai. C'est fou, hein? C'est juste que là, vraiment. En fait, je ne sais même pas où mettre ça, quoi. Parce que de base, je vais donner les livres à l'association de ma tante, que j'ai toujours pas fait, parce que je procrastine dessus, comme je ne suis pas tout le temps dans cette pièce. Donc, ça ne me dérange pas tellement, donc je n'enlève pas. Mais là, je me décide. Je vais mettre ça dehors. Et pendant que je sors avec ma mère cet après-midi, je vais le lui remettre. Et avec des jeux de société aussi. Et les lunettes que je mets plus, je vais les déposer à Général d'Optique. Parce que j'ai vu qu'ils ont, à Destreland, ils ont des petites boîtes. Et on peut mettre genre nos anciennes lunettes. Parce que, en vrai, les mamans, elles grillent là. Comme ma mère, qui sont en mode oui, j'achète les lunettes. Ah non, je vais pas les remettre. Mais tu fais quoi avec? Quand tu as changé de vue, tu as changé de lunettes, tu fais quoi avec? C'est la question. Donc autant les remettre. Les remettre dans la poubelle à lunettes, si on peut appeler ça comme ça. Et voilà. Mais je vais ranger ça. Et après ça, je vais prendre ma douche. Et puis, je vais travailler sur mon montage de lundi. Et puis, j'aimerais bien faire de la lecture. Alors ça, je dois sortir avec ma mère. Et voilà, quoi. Voilà. Mais je sais pas si vous savez, mais pendant 40 jours, du coup, j'ai enlevé Insta. TikTok, donc ça fait que je ne suis pas au courant. Parfois, on me parle de ref, mais moi, je suis en mode de quoi tu parles? Parce que j'ai pas. Donc, je vais réinstaller le 29, enfin le 28 minuit, enfin 29, du coup. Et excusez-moi. Et voilà. Et puis après, ben, c'est les vacances, hein. Vous verrez ma cousine. J'ai hâte que vous voyez ça parce que voilà. On a prévu quand même pas mal de choses. Bon, je sais pas si tout va se faire parce que nous connaissons. On aime dormir. Donc voilà, vous verrez en fonction. Je suis en train de jouer avec mon trépied là, bref. Mais on va nettoyer ce mess hein, qui est juste là. Et également là. C'est parti. Côté, maintenant il faut faire l'autre, le plus dur, on va dire, parce qu'il y a des boîtes. Et je sais pas où mettre les boîtes, mais je peux pas les jeter parce que quand je vais re-aménager chez les parents, il faudra que je remette les trucs dans la boîte pour avoir ça redéménager. Tiens, une visa? Non. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Il reste pas beaucoup de temps, il reste 1 an et après c'est bon. Donc voilà quoi, c'est parti.
perdre la batterie de ma caméra. Elle était morte. Mais je devais en racheter une autre. Et comme c'est la première fois que j'achète une batterie de caméra, j'aimerais bien la garder. Je l'ai perdue. J'ai perdu le truc alors que je l'ai mis avec la caméra. Genre la caméra est tout là. Genre j'ai perdu la batterie dans une boîte. Oh, bon, je pense que je vais la retrouver après. Et après avoir fait mes deux côtés, passé la spi, je vais faire mes chaussures parce que... Non mais, il faut qu'on parle de mes chaussures. Attendez. Genre, ça ressemble à ça, mes chaussures. Genre, comme j'ai pas mes étagères, puisqu'elles sont... Parce qu'elle est... chez moi. Du coup, ça fait que ça ressemble à ça, mes chaussures. Donc vraiment, mes chaussures sont cafou-cafou. Donc je vais toutes les sortir là pour pouvoir passer la spi et essayer de mettre un genre d'ordre. Mais comme j'ai pas mes étagères, c'est un peu chaud. Mais on va tester, on va tester. On va tester. Et puis sinon, j'aimerais bien tourner, je pense, pendant les vacances, un vlog où je réaménage ma chambre. J'aimerais bien refaire la peinture parce que la peinture est un peu crusty, dusty là. C'est... Voilà, il faut renouveler. Et voilà, j'aimerais bien faire ça, même si que je reste pas éternellement chez mes parents, mais quand même... Quand je rentre, que je suis en mode waouh, vous savez, ça fait toujours du bien au moral en fait, un endroit propre et beau et clair. Donc j'aimerais bien faire ça pendant les vacances. Et voilà quoi. Genre changer ma chambre d'entre guillemets enfant, adolescent à chambre d'adulte jusqu'à ce que je trouve mon chez moi réel, chez moi, où mes parents ne me voient pas à 34. Et. Voilà quoi, donc je vais continuer à nettoyer et puis on se retrouve après hein, quand j'ai fini. Ne vous attendez pas à un truc tellement wow hein, parce que c'est juste un nettoyage genre de spi. J'enlève juste, en fait, pas juste la spi, j'arrange vite fait les trucs parce que j'aime pas quand c'est en bordel comme ça. Et voilà, les cartons seront toujours là hein, parce que j'ai pas encore. Réaménagé. Et voilà, donc les cartons seront toujours là. Mais ce sera un peu plus propre, entre guillemets. Et voilà. Voilà, je pense que c'est un peu mieux quand même que tout à l'heure. Et voilà, voilà. Oh bah du coup, je suis prête. Mon père, du coup, est là. Il va m'emmener près de ma maman. Et voilà. Bon, je vais pas garder mes sandales, hein. Je pense que je vais mettre mes mocassins roses. Et voilà, voilà. Voilà ma maman. Fais un petit coucou, maman. Oui. Mais tu peux faire. Comment allez-vous, le public? Vous allez bien? Moi, je vais très bien. Très, très, très bien. Ah oui, on voit ça, hein. Voilà. Là, je vais faire des petites courses. Voilà. Pour histoire de dire de... Sortir un petit peu de la maison. Mmh. Voilà. Donc, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et on se dit à très bientôt. Oui. Coucou, du coup, petite attente pub, c'était pour vous dire que le paiement en 3 fois est enfin disponible sur ma boutique en ligne. Donc, je le mets en description, n'hésitez pas. Voilà. S'il vous plaît, ressaisissez-vous les copines, ressaisissez-vous.